venue à l'école à domicile. Je suis la maîtresse Sandrine Kimbembe, enseignante à l'école primaire en classe de CM2. C'est bien les enfants. Suivez, nous avons notre leçon de conjugaison sous discipline de français. Notre leçon de conjugaison. Nous allons travailler sur les temps composés. À la fin de la leçon, tu dois être capable de conjuguer les verbes au temps composé avec l'auxiliaire être ou avoir. C'est bien. Prenez les ardoises, les enfants. Montrez les ardoises propres. Baissez les ardoises. Montrez la craie. Baissez les mains sur la tête. Bien. Écrivez les deux auxiliaires qui permettent de conjuguer les temps composés de l'indicatif. Sur les ardoises, écrivez les deux auxiliaires qui permettent de conjuguer les temps composés de l'indicatif. Oui, montrez les enfants. Position des mains, les coudes sur la table. Tenez bien l'ardoise. Baissez. Montrez. C'est bien, Obed. C'est bien, Paulina. Agapé, c'est bien. C'est bien, la majorité a trouvé. Obed, donne-moi l'auxiliaire qui permet de conjuguer les temps composés. Oui, vas-y. L'auxiliaire être. C'est bien. Agapé, un autre. Oui, l'auxiliaire avoir. Bien. Nous avons l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Qui peut me donner le participe passé de l'auxiliaire être? Oui. Oui, Ézéchiel. Été. Été, comment va se créer été? Oui. E, accent aigu. E, accent aigu. Très bien. Été. Et l'auxiliaire et le passé passé plutôt, veuillez m'excuser, le passé passé du verbe avoir. Oui, obéi. You. Très bien. Comment va se créer you? E, U. Très bien. Donc, nous avons l'auxiliaire être avec son participe passé été. Nous avons l'auxiliaire avoir avec son participe passé eu. C'est bien, les enfants. Suivez au tableau. Nous avons un texte. Faites la lecture silencieuse de ce texte. On ne parle pas. Lisez au fond du cœur. Lire au fond du cœur. Bien. Qu'est-ce qui est tombé? Elle. Très bien. C'est elle est tombée. C'est bien. Suivez maintenant la lecture de la maîtresse. La maîtresse va lire à haute voix. Suivez bien. Texte. J'ai marché longtemps. Elle est tombée dans le jardin. Je le lis pour une seconde fois, suivez bien. Texte. J'ai marché longtemps. Elle est tombée dans le jardin. Qui peut lire comme la maîtresse? Oui, Agapé. C'est bien. Paulina, fais la lecture.
C'est bien, Obed. C'est bien. Suivez maintenant les enfants. Nous allons lire phrase par phrase. Nous allons lire phrase par phrase. Commençons avec la première phrase. Suivez, la maîtresse va relire la première phrase. J'ai marché longtemps. J'ai marché longtemps. Oui, Obed, lis la phrase. Relis la phrase, Obed. J'ai marché longtemps. C'est bien. La phrase s'arrête ici. Une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Et là où s'arrête notre phrase. Bien. Les enfants, regardez bien cette phrase. Regardez bien cette phrase. Vous avez déjà appris la notion du participe passé. Qui peut lire le participe passé qui se trouve dans cette phrase? Qui peut le lire? Oui? Marcher. 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 C'est bien. Je souligne le propre participe passé. Adapter ici, marcher. Ce n'est pas le marché total. Ce n'est pas le marché combo. Ce n'est pas le marché de Talangai. Mais c'est le marché participe passé de quel verbe? Qui peut me donner son infinitif? Son infinitif se forme en ER. C'est le marché du verbe du premier groupe et le verbe marcher. Bien. À bientôt, les autres vont se dire, la maîtresse a écrit le marché bourreau. Ce n'est pas le marché bourreau. C'est le participe passé du verbe marcher. Bien. On continue, les enfants. Regardez, avant notre participe passé, nous avons quoi? Nous avons quoi qui peut lire le mot qui se trouve là? Oui? Eh! Eh! Je souligne, il doit être écrit hors de la phrase. Eh! Obed lit, eh! Sarah, eh! Agapé, eh! Quelle est la nature de ce mot? Quelle est la nature de ce mot? Oui, Alexandre? C'est le verbe avoir. Très bien. Verbe avoir. Verbe avoir. Bien. Nous avons ici marcher, le participe passé du verbe marcher, le verbe du premier groupe. Et nous avons A ici, qui est le verbe avoir. C'est bien. Prenons la deuxième phrase. Prenons la deuxième phrase. Suivez la maîtresse, va lire la deuxième phrase. Elle est tombée dans le jardin. Elle est tombée dans le jardin. Agapé, lis la phrase, relis la phrase, Agapé. Elle est tombée dans le jardin. C'est bien. Dans cette phrase, qui peut lire le participe passé? Oui, Monica. Tomber. Tomber. Celui du mot tomber, il doit être écrit hors de la phrase. Il doit être isolé. Bien. Quelle est sa nature? Oui. Oui, Mardoché. Un participe passé. Participe passé. Participe. Participe passé. Participe passé. Bien. Avant notre participe passé, qui peut lire le mot qui se trouve là? Oui, Gracia. Est. Est. On souligne est. Il doit être isolé. Est. La nature de ce verbe? Oui? C'est le verbe
être. Très bien. Ou l'auxiliaire être. C'est bien. Auxiliaire. Lier, être. Bien. C'est la même chose ici. Verbe avoir ou auxiliaire avoir. Auxiliaire avoir. Auxiliaire être. Bien. Marcher. Passé, passé du verbe marcher. Et verbe avoir ou auxiliaire avoir. Tomber. Passé, passé du verbe tomber. Verbe tomber. Et auxiliaire. Et le verbe être, c'est l'auxiliaire du verbe être. Suivez bien, je relis. Marcher, le passé passé du verbe marcher. Et l'auxiliaire avoir, c'est le verbe avoir. Tomber, le passé passé de tomber ou bien du verbe tomber. Et est l'auxiliaire être. Et c'est le verbe être ou l'auxiliaire être. C'est bien. Suivez maintenant les enfants. Suivez bien. Elle est tombée dans le jardin. Elle est tombée dans le jardin. Bien. Si, à la place de elle, qui se termine avec E à la fin, c'est-à-dire qui est au singulier, et en nombre avec ce sujet, parce que nous avons la présence de l'auxiliaire être. Bien. Avec l'auxiliaire avoir aussi, ça s'accorde, mais je ne suis pas là. Ce n'est pas ça la leçon. Notre leçon se base sur ça. Bien. Deuxième phrase, prenons la deuxième phrase. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Regardez la terminaison de tomber. Là, nous avons mis E accent aigu, E mieux S. Là, nous avons seulement mis E accent aigu, S. Pourquoi? Oui? Parce que le sujet, oui, il, très bien. Il est au masculin pluriel. Très bien. Elle, féminin pluriel. Il est au masculin pluriel. Bien. Suivez les enfants, suivez bien. Quand on parle, elles sont tombées. J'ai marché. C'est quel temps? Est-il un temps simple? C'est quel temps ça? C'est quel temps? Oui, Agapé. C'est un temps composé. Très bien, deux bravo! Un temps composé. Bien. Suivez les enfants, suivez. On a dit c'est un temps composé. Ces temps composés, elles sont tombées. Et formées de quoi? Oui, ces temps composés est formé de l'auxiliaire être. Très bien. Conjugué à la troisième personne du pluriel. Avec son verbe à conjuguer qui est le verbe tomber. Très bien. Et ici, tomber, pour quelle nature? Tomber pour quelle nature? Un participe passé. Très bien. Tomber ici, c'est un participe passé. Donc, notre verbe ici, pour l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du pluriel, et le participe passé du verbe tomber. Nous avons formé le temps. Quel temps? Vous venez de dire le temps composé. Très bien. Le temps composé. Ça, c'est quel temps? C'est vrai que ce sont les temps composés. Mais comment peut-on appeler ce temps? Oui. Oui. Oui, grâce. Le passé composé. C'est bien. Le passé. Le passé composé. Le passé composé. Bien. Revenons ici à la première phrase. J'ai marché.
J'ai marché. Et nous avons quel auxiliaire ici? Oui, l'auxiliaire avoir. Très bien. Et nous avons quoi ici après l'auxiliaire avoir? Le participe passé. Bien. Donc ici, notre temps est formé de quoi? Oui, de l'auxiliaire avoir et du participe passé. L'auxiliaire avoir conjugué à quel temps? Oui. L'auxiliaire avoir conjugué au temps présent. C'est bien, c'est conjugué au temps présent. Mais quand nous avons à côté de notre auxiliaire le participe passé, ça devient quel temps? Oui, les enfants, c'est le passé composé. Très bien, c'est le passé composé. Bien, suivez les enfants. Est-ce qu'en dehors du passé composé, nous avons encore d'autres temps composés? En dehors du passé composé. Nous avons d'autres temps composés. Oui, lesquels? Donc ici, nous avons le passé composé. Quel temps encore? Le plus que parfait. Le plus que parfait. Oui, quel temps encore? Le futur antérieur. Le futur antérieur. Oui. Il nous reste encore combien de temps? Oui, un seul temps, lequel? Le passé antérieur. Le passé antérieur. Bien, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur. En tout, avons-nous combien de temps composé? Oui, Gracia, Obed, oui, quatre temps composés. Très bien, Grace répète là-bas, quatre temps composés. Mardoché répète, quatre temps composés. Maria, quatre temps composés. Céleste, lis les quatre temps composés qui se trouvent au tableau. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. C'est bien les enfants, par rapport à ce que nous venons d'étudier, par rapport à tout ce que nous venons de voir, quel sera le titre de notre leçon? Qui peut donner un titre à notre leçon? Oui. Oui, Agapé. Les temps composés. Très bien, deux bravo. Les temps composés. Répète là-bas, les temps composés. Grâce, répète, les temps composés. Les temps. Les temps composés. Les temps composés. Bien. Les temps composés. Bien, les enfants, de quoi est formé ou de quoi sont formés les temps composés? De quoi sont formés les temps composés? Oui, les temps composés sont formés de deux auxiliaires. Quels sont ces auxiliaires? Être et avoir. Oui. Les deux auxiliaires nous permettent de faire quoi? Les deux auxiliaires nous permettent de conjuguer le temps composé. En faisant quoi? Est-ce que quand les deux auxiliaires nous permettent de conjuguer le temps composé, ils vont garder leur sens? Ils vont perdre leur sens. C'est bien les enfants.
Lorsqu'il y a être et avoir, nous permettent de faire quoi? De conjuguer quoi? Oui? L'auxiliaire. L'auxiliaire être. L'auxiliaire être. Oui? L'auxiliaire être. Et. Avoir. Oui? L'auxiliaire être et avoir. Permettre. 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 De conjuguer. De conjuguer. Un verbe. Un verbe. Oui. Un verbe. Autant. Composé. Bien. Nous avons bien dit que nous avons quatre tons composés. Conjugaison les tons composés, je retiens l'auxiliaire. Si j'ai commencé la phrase par une lettre minuscule, parce que après je retiens, j'ai deux points. Comme j'ai utilisé la même ligne, voilà pourquoi j'ai commencé par une lettre minuscule. C'est bien. L'auxiliaire être et avoir permettent de conjuguer un verbe au temps composé. Donnez-moi les exemples. Exemple. 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 Oui, Sarah. J'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mangé. Oui, deuxième exemple. Avec un verbe du deuxième groupe. Avec un verbe du deuxième groupe. Oui. Prenons toujours la première personne du singulier. Prenons toujours la première personne du singulier. J'ai bu. J'ai bu. Première phrase, j'ai mangé. Deuxième exemple, j'ai bu. Donnez-moi un troisième exemple. Un troisième exemple. Prenons la dernière personne du pluriel. Oui, toujours le passé composé. Oui. Il était. Oui. Il. Quelle sera la terminaison de il? Oui. Il ajoute S. Ils étaient. Ils étaient. Oui. Ils étaient. Deuxième exemple, nous avons utilisé un verbe du troisième groupe, le verbe boire, le participe passé du verbe du troisième groupe, le verbe boire. Premier exemple, c'est le verbe du premier groupe. Et le troisième exemple, nous allons utiliser quel verbe? Oui. Ils étaient. Ils étaient. Allez-y. Oui. Ils étaient finis. Ils étaient finis. Est-ce que ça a un sens, ils étaient finis? Ça a un sens. Non, la maîtresse, c'est bien. Donc, nous allons mettre quel verbe ici? Prenez n'importe quel verbe, que ce soit du deuxième groupe, du troisième groupe, du premier groupe.
ils étaient partis. Très bien. Ils étaient partis. Regarde la terminaison de partir. Je mets quoi à la fin? Quelle sera sa terminaison? C'est bien. J'ai mangé, j'ai bu, ils étaient partis. Bien, c'est quel temps avons-nous dit? C'est le passé composé. Bien, prenons la première phrase, ou le premier exemple. La première phrase ou le premier exemple, on le met au plus que parfait. Si on le mettait au plus que parfait. Si on le mettait au plus que parfait. Oui, oui. J'avais mangé. Très bien, Sarah répète, j'avais mangé. Prenons maintenant le deuxième exemple. Oui, j'avais bu le plus que parfait. Les enfants, suivez bien les enfants. En fait, pour bien conjuguer les verbes au temps composé, il faudrait bien maîtriser l'imparfait. D'abord, l'auxiliaire avoir au présent, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, l'auxiliaire avoir au futur simple, tu dois avoir la maîtrise de tout ça, l'auxiliaire avoir au passé simple. Pour l'auxiliaire être, la formation des temps composés, tu dois avoir la maîtrise de l'auxiliaire être au présent, de l'auxiliaire être à l'imparfait, de l'auxiliaire être au, au futur simple plutôt, et de l'auxiliaire être au passé simple. Puisque pour former le passé composé, on a besoin de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple, au présent, à l'imparfait et au passé simple. Donc, pour bien conjuguer les enfants, les verbes au temps composé, je répète, tu dois avoir la maîtrise de l'auxiliaire être et avoir au quatre temps simple. Pour bien conjuguer, plutôt, veuillez m'excuser, les verbes au passé composé, tu dois avoir la maîtrise, tu dois mémoriser les quatre temps simples. Parce que ce sont ces temps qui vont nous permettre, avec nos participes passés des verbes à conjuguer, à former ou à conjuguer les temps composés. Bien les enfants, suivez la maîtresse, va faire la lecture de la leçon. Conjugaison. Les temps composés. Je retiens, l'auxiliaire être et avoir permettent de conjuguer un verbe au temps composé. Exemple, j'ai mangé, j'ai bu, ils étaient partis. Je le lis pour une deuxième fois. Je retiens, d'abord conjugaison, veuillez m'excuser, les temps composés. Je retiens, l'auxiliaire être et avoir permettent de conjuguer un verbe au temps composé. Exemple, j'ai mangé, j'ai bu, ils étaient partis. En continuant la leçon, vous aurez le temps de lire et de copier. Bien, agapé, avant de passer à notre exercice d'entraînement, lis notre résumé. Oui, grâce, lis notre leçon. Mardoché, vas-y. Privani, vas-y. C'est bien, très bien les enfants, on continue, notre leçon continue. C'est bien les enfants, suivez, nous avons combien de temps composés? Oui, Mardoché, nous avons quatre temps composés, lesquels?
Quels sont ces temps composés? Oui, le passé composé. Le plus que parfait. Le passé antérieur, le futur antérieur. Très bien. Donc, nous allons écrire les quatre temps. Les quatre temps. Oui, vas-y. Les quatre temps composés. Les quatre temps composés sont. Oui, nous allons les citer. Le passé composé. Le passé composé. Le passé composé. Bien, le passé composé. Le passé composé. Oui. Le carton composé de l'indicatif, bien sûr. De l'indicatif sont. Très bien. Le carton composé de l'indicatif sont. Le passé composé. Oui. Le plus que parfait. Passé composé, virgule, le plus que parfait, le plus que parfait, oui, virgule, le plus que parfait, virgule, le futur antérieur. Le futur antérieur. Et le passé antérieur. Et le passé antérieur. Et le passé antérieur. Les quatre temps composés de l'indicatif sont le passé composé, le plus que parfait, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. C'est ce que je viens de vous dire pour bien. Avoir la maîtrise des temps composés, tu dois bien connaître l'auxiliaire être ou avoir au temps simple. Exemple, nous allons prendre les exemples, nous allons donner un exemple à chaque temps. Exemple. Exemple. Bien. Commençons par le passé composé. Exemple. Commençons par le passé composé. Exemple. Passé composé. Exemple, passé composé. Passé composé. Oui, donnez un exemple. Oui, le passé composé. J'ai bu. Très bien. J'ai bu. J'ai bu. Exemple, passé composé. J'ai bu. Deuxième exemple, plus que parfait.
plus que parfait. Plus que parfait. Oui? J'avais toujours la première personne. Et il avait mangé. Il avait mangé. Bien, le futur antérieur. Là, on doit utiliser l'auxiliaire être, parce que nous avons déjà deux exemples avec l'auxiliaire avoir. Futur. Antérieur. Futur antérieur. Oui, donnez l'exemple. Oui, je serai guéri. Bien, utilisons la troisième personne du singulier. Oui. Elle. Elle. Elle sera dans l'auxiliaire être au futur simple. Elle sera guérie. Et à la fin de guérie, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre quoi? Oui? Elle sera guérie. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde. Donc nous avons accordé guéri avec son sujet elle. Bien, nous avons maintenant, il nous reste un temps, le passé antérieur. Passé antérieur. Oui. Oui. Je fus. Oui. Je fus parti. Bien. Exemple, passé composé, j'ai bu. Plus que parfait, il avait mangé. Les deux exemples, nous avons utilisé l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe à conjuguer. Bien, le futur antérieur, elle sera guérie. Le passé antérieur, je fus parti. Les deux derniers exemples, nous avons utilisé l'auxiliaire être avec le participe passé du verbe à conjuguer. Bien, suivez, la maîtresse va lire la leçon. Conjugaison, les temps composés. Je retiens, l'auxiliaire être et avoir permettent de conjuguer un verbe au temps composé. L'auxiliaire être et avoir permettent de conjuguer un verbe au temps composé. Bien, suivez les enfants. On a sauté ici un mot. Nous venons de voir combien de temps composé? 4. Donc, les 4 temps composés de l'indicatif. C'est bien. Les 4 temps composés de l'indicatif. Les 4 temps. Les 4 temps. Les 4 temps. Les 4 temps
composer les quatre tons. Composer les quatre tons. Composer de l'indicatif. Ce sont les quatre tons composés de l'indicatif. Les quatre tons composés de l'indicatif. Conjugaison. Les quatre tons composés de l'indicatif. C'est bien là, le titre est juste. Je retiens. L'auxiliaire être et avoir permettent de conjuguer un verbe au temps, aux quatre tons composés. Ou au temps composé. C'est bien. Les quatre tons composés de l'indicatif sont. Nous avons cité le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Exemple, passé composé. J'ai bu. Plus que parfait. Il avait mangé. Futur antérieur. Elle sera guérie. Passé antérieur. Je fus parti. Bien. Agapé, lis la leçon. Grâce fait la lecture de la leçon. C'est bien. On termine la leçon. Vous aurez le temps de copier. Suivez. Nous avons l'exercice au tableau, l'exercice d'entraînement. Nous allons travailler sur ça. Exercice. Mets la phrase suivante. À la troisième personne. Du singulier au quatre tons composés de l'indicatif. Ici, nous avons deux phrases. Ce n'est pas une phrase, nous avons deux phrases. Donc, ce sont les phrases suivantes. Ce sont les phrases suivantes. Si on avait une virgule ici, ça devait être une seule phrase. Comme nous avons point ici, nous avons toutes deux phrases. Donc tu mets les phrases suivantes à la troisième personne du singulier aux quatre tons composés de l'indicatif. De l'indicatif. Oui, c'est sur les ardoises. Prenez vos ardoises, bien sûr. Prenez les ardoises rapidement. Après, nous allons faire la correction ensemble pour vérifier, pour voir. C'est bien. Commençons avec la première phrase. La fille dort dans la maison. La fille dort dans la maison. Oui, le passé composé. Le passé composé. Le passé composé, oui. Nous allons écrire le passé composé. La fille a dormi dans la maison. La fille a dormi dans la maison. C'est bien. Et au futur, au plus que parfait plutôt, plus que parfait. La fille avait dormi dans la maison. Très bien. La fille avait dormi dans la maison. Très bien. Prenons le futur antérieur. Oui. La fille aura dormi dans la maison. C'est bien. Prenons le dernier temps. Le dernier temps, nous allons dire quoi? La fille eut dormi dans la maison. Très bien. Passons à notre deuxième phrase. Passons à la deuxième phrase, elle devient propre. Elle devient propre. Passé composé, nous allons dire quoi? Oui, elle est devenue propre. Elle est devenue propre. Répète, elle est devenue propre. C'est bien. Au plus que parfait, au plus que parfait. Elle était devenue propre. C'est bien. Répète, elle était devenue propre. Au futur antérieur,
au futur antérieur, oui, elle sera devenue, elle sera devenue propre. C'est bien, elle sera devenue propre. Et au passé antérieur, au passé antérieur, oui, les enfants, elle fut devenue, maintenant à la place, et à la fin, de devenue, nous allons écrire quoi? C'est bien, elle fut devenue propre. Très bien, vous avez compris les enfants, nous avons l'exercice d'application. Copiez l'exercice rapidement. Copiez. Copier, c'est bien, suivez la maîtresse, va lire l'exercice. Tu viens d'étudier les temps composés dans ton cahier de devoir, conjugue les verbes quitter, rester à la première personne du singulier au quatre temps composé de l'indicatif. Le verbe quitter, oui, on nous dit à la première personne. Oui, on commence avec quitter. Oui, qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai quitté. J'ai quitté. Bien. Au plus que parfait. Ça, c'est le passé composé. J'avais quitté. C'est bien les enfants. Au futur antérieur, j'aurais quitté. C'est bien. Et au passé antérieur, oui, j'ai quitté. Attention, c'est la première personne. On a bien dit la première personne, donc ce n'est pas « je » avec « e-u-t », mais plutôt c'est avec « e-u-s », parce que c'est la première personne, ce n'est pas la troisième personne. « Je », voilà, c'est ça, c'est pas ce que vous m'avez donné. « Je » quitté, c'est bien. « J'ai quitté, j'aurais quitté. » J'avais quitté, j'eus quitté. C'est bien. Maintenant, rapidement, avec le verbe rester, vous avez déjà fait, c'est la correction. Oui, avec le verbe rester. Est-ce que nous allons utiliser l'auxiliaire avoir? On va dire j'avais resté. Non, non. Donc, c'est avec l'auxiliaire être. Bien. Au passé composé. Oui, j'étais resté. Comment va s'écrire « été » avec « a-i-s » C'est bien, j'étais resté. J'étais resté. Bien, au plus que parfait. J'étais resté. Non. Le plus que parfait. Le plus que parfait. J'étais resté. Bien. J'étais resté. On prend le futur antérieur. Le futur antérieur. Oui. Je serai resté. Le plus que parfait, j'étais resté. On a sauté le passé composé. Je suis resté, le passé composé, je suis resté. Je suis resté, je mets ça ici. Je suis resté. Je suis resté, le plus que parfait. J'étais resté. Le passé antérieur, je serai resté. Le passé antérieur, je serai resté. Et
le futur antérieur, veuillez m'excuser, le futur antérieur, je serai resté, et le passé antérieur, je fus resté. Bien, la correction est là, passé composé. J'ai quitté plus que parfait. J'aurais quitté plus que parfait. J'aurais quitté plus que parfait, veuillez m'excuser. J'avais quitté le futur antérieur. Nous avons le futur ici, bien sûr. J'aurais quitté et le passé antérieur. J'eus quitté. Bien. Avec le verbe rester. Au passé composé, je suis resté. Bien, au plus que parfait, j'ai été resté. C'est bien, au futur antérieur, je serai resté. Bien, et au passé antérieur, je fus resté. Ceux qui n'ont pas trouvé, prenez la correction. Prenez la correction, vite, nous allons faire un exercice que vous allez faire à domicile. Un exercice à faire à domicile, copier, copier la correction, prenez. C'est bien les enfants. On va mettre l'exercice à faire à domicile. C'est bien les enfants, prenez l'exercice à faire à domicile. Suivez, la maîtresse va lire rapidement. Exercice à faire à domicile. Tu viens d'étudier les quatre temps composés de l'indicatif dans ton cahier d'exercice. Conjugue les verbes suivants aux quatre temps composés de l'indicatif. Nous avons le verbe manger une banane et le verbe rester à la maison. Bien, copier rapidement, copier, copier, copier à faire à domicile. C'est bien les enfants, fermez les cahiers. Merci beaucoup les enfants. Ne vous mettez pas à jouer à la maison. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous pour votre examen. Préparez-vous les enfants. Ne dormez pas, ne jouez pas beaucoup. Les enfants, lisez, travaillez beaucoup à domicile. Merci beaucoup. Bonne chance pour votre examen. À la prochaine les enfants. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Telenanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.